Moi, je pense que je reviens sur la distinction que j'ai faite tout à l'heure sur la première réaction, celle de l'impression qu'appelle l'attentat terroriste, qui est celle de dire, celle qui est l'indignation devant le crime et la compassion pour les victimes. Je pense qu'il y avait ça dans le « je suis Charlie ». C'est-à-dire que « je suis Charlie », ça voulait dire « je suis indigné par ce crime ». Je suis indigné par ce crime et j'ai de la compassion pour les victimes, pour leurs familles, pour le traumatisme que ça représente, etc. Je partage ce traumatisme et je m'associe au deuil. Voilà. Donc ça, je pense que c'était un élément de ce fait. Le deuxième élément, vous avez évidemment raison de le rappeler, c'était que je suis Charlie, ça voulait dire, nous autres, je suis attaché à un principe. Je suis attaché au principe de la liberté d'expression. Je ne comprends pas qu'on puisse mourir pour un dessin. Et la chose que ça ne voulait évidemment pas dire, et que ça n'a jamais voulu dire, c'est je souscris intégralement à l'esprit de Charlie Hebdo, à la forme à leur caricature, à leur satire, à leur rapport aux religions. Et on pouvait avoir été dans sa vie choqué, heurté par telle ou telle de caricature de Charlie Hebdo, ou tel numéro de Charlie Hebdo, et pour autant, quand même affirmer, je suis Charlie.